Moi, je dis pour moi quand même, c'est la musique qui a changé ma vie, moi. Tu vois? Quartier Corentin, c'est un grand quartier de la capitale de Conakry, un quartier qui est plus peuplé parmi tous les quartiers de Conakry. Et aussi, il y a la pauvreté aussi dans notre quartier, quoi, tu vois. Avant la musique, on était amis. C'est des amis d'enfance, on faisait de même école, de même équipe de foot, même les parents, ils vont au marché ensemble. C'était pas facile du tout, quoi. Les parents ne voulaient pas qu'on fasse la musique parce que nous, on n'est pas gris, tu vois. Voilà, mais ils n'aimaient pas du tout. Plusieurs ethnies au pays. Il y a Peul Malinké, Thomas Kissi. Tous ces ethnies ont leur rythme et leurs coutumes. Tu vois? Mais là, nous, on a pris les instruments de chaque ethnie, on l'a introduit dans nos musiques et on a commencé à faire la musique pour faire la fusion de notre pays. Quoi. Actuellement, il nous dit qu'on chante beaucoup de politique, on est politique, mais on a la foi de chanter pour les politiciens, même les journalistes n'osent pas les dire, quoi, tu vois. Au pays, nous, on est comme ça, quoi. On te voit faire un truc, tu es politicien, on te dit la vérité. Fatigué, vraiment désolé, fatigué par la politique. Les politiciens disent, Imiremis, c'est pas la bombe. Les politiciens disent, Imiremis, c'est pas la bombe. Quand l'homme change, la vie peut changer, quoi, tu vois. D'abord, et les dirigeants qui sont là, s'ils changent, je crois que ça peut changer aussi, quoi. Il y a d'autres même qui nous appellent Espoir de Guinée, tu vois. Mais nous, on a droit quand même de nous appeler les Espoirs de Corentin, les enfants du bas quartier maintenant qui veulent être Espoirs de Guinée, quoi. Mais toujours rester le nom de Corentin, de notre quartier, quoi.